Bonjour à tous. Je vais vous mettre maintenant une petite vidéo sur la prière. C'est marqué Prions pour l'Église avec Marie, Mère de l'Église et Notre-Dame du Perpétuel Secours. Prions pour l'Église. Les biographes de Léon XIII rapportent généralement la célèbre vision qu'il eut le 13 octobre 1884. On lui furent montrées les légions de démons dispersés par toute la terre et travaillant avec un indicible acharnement à la destruction de l'Église et à la perte des âmes. À la suite de cette vision, il ordonna que les prières relevées ci-après soient récitées dans toute l'Église, après chaque messe, sauf aux messes chantées ou solennelles par le prêtre avec les fidèles. Puis X y ajouta l'invocation au Sacré-Cœur de Jésus. Et Pie XI rappela les prescriptions de ses prédécesseurs et demanda de réciter ses prières plus particulièrement aux intentions de l'Église en Russie, même si le renouveau liturgique n'a pas retenu ses ordonnances. Absolument rien n'empêche, bien au contraire, les fidèles et les prêtres qui veulent dire ses prières après la messe, pendant leurs actions de grâce ou en n'importe quel temps de la journée ou de lieu. De le faire. Bien plus, l'extrême gravité des temps que nous vivons nous presse à le faire. Abréviation AL. Voici la prière. Salut ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Enfant d'Ève, malheureux exilé, nous élevons nos cris vers vous. Nous soupirons vers vous, gémissant et pleurant dans cette vallée de larmes. Ô vous, notre avocate, tournez vers nous vos regards miséricordieux, et au sortir de cet exil, montrez-nous Jésus, le fruit béni de vos entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie, priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses de Jésus-Christ. Prions. Ô Dieu, notre refuge et notre force, jetez un regard favorable sur le peuple qui crie vers nous, qui crie vers vous, et par l'intercession de la glorieuse et immaculée Vierge Marie, Mère de Dieu, de Saint Joseph, son époux, des bienheureux apôtres Pierre et Paul, et de tous les saints, écoutez avec bienveillance et miséricorde les prières que nous vous adressons pour la conversion des pécheurs, pour la liberté et le triomphe de notre Sainte Mère l'Église, par le Christ notre Seigneur, lui qui vit et règne les siècles des siècles. Amen. Après ça, on dit, je vous salue Marie trois fois. On va le dire. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.
Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de votre mort. Amen. Le prochain dit, Saint Michel Archange, défendez-nous dans le combat. Soyez notre protecteur contre la méchanceté et les embûches du démon, sous toutes ses formes. Que Dieu lui commande, nous vous en supplions. Il vous, prince de la milice céleste, par le pouvoir divin qui vous a été confié, précipitez au fond des enfers Satan et les autres esprits mauvais, qui parcourent le monde pour la perte des âmes. Amen. Cœur sacré de Jésus, j'ai confiance en toi. On dit trois fois. Cœur sacré de Jésus, j'ai confiance en vous. Cœur sacré de Jésus, j'ai confiance en vous. Voici l'historique de la prière à Marie, reine des anges. Le 13 janvier 1865, le père Louis Sestac, dominicain, décédé en 1868, en grande renommée de sainteté, fut subitement frappé comme un rayon de clarté divine. Il crut voir les démons répandus sur la terre y causant d'inexprimables ravages. En même temps, il expérimenta une présence spéciale de la très sainte Vierge, lui disant qu'en effet, les démons étaient déchaînés dans le monde et que l'heure était venue de la prier comme reine des anges et de lui demander d'envoyer les légions saintes combattre et terrasser les puissances de l'enfer. Ma mère, lui dit le père, Sesta, vous qui êtes la si bonne, ne pourriez-vous pas les envoyer sans qu'on vous le demande? Non, répondit la très sainte Vierge. La prière est une condition posée par Dieu lui-même pour obtenir les grâces. Eh bien, ma mère, reprit le saint prêtre, voudriez-vous m'enseigner vous-même comment il faut prier? Il crut recevoir de la très sainte Vierge elle-même la prière Auguste Reine. Mon premier devoir, écrit le père Sestac, fut de présenter cette prière à Monseigneur Lacroix, évêque de Bayonne, qui l'approuva. J'en fis tirer immédiatement 500 000 exemplaires, que je répandus partout. Alors, lors de la première impression, les presses se brisèrent par trois fois, mais sous l'impulsion du vénérable père Sestac, cette prière s'est répandue dans l'univers catholique, accompagnée partout de faveurs extraordinaires. Voici la prière de l'Auguste Reine. Auguste Reine des cieux, souveraine maîtresse des anges, vous qui dès le commencement avez reçu de Dieu le pouvoir la mission d'écraser la tête de Satan, nous vous le demandons humblement, envoyez vos légions saintes pour que, sous vos ordres et par votre puissance, elles poursuivent les démons, les combattent partout, répriment leur audace qui les refoule et les refoule dans l'abîme, qui est comme Dieu. Ô bonne et tendre mère, vous serez toujours notre amour et notre espérance. Ô divine mère,
envoyez les saints anges pour me défendre et repousser loin de moi le cruel ennemi. Saints anges et archanges, défendez-nous, gardez-nous du mal. Amen. Prière divulguée par Pie X le 8 juillet 1908. Voici une autre petite prière. Père infiniment saint, je vous offre par Marie, reine des apôtres, les douleurs infinies de l'âme de Jésus-Christ et Hostie, pour les évêques, les prêtres, les diacres et les pères, les mères de famille ou l'Église domestique, qu'ils soient saints en vérité, morts au monde, remplis du Saint-Esprit et brûlants de zèle pour le salut de tous. Voir Jean 17, versets 1 à 26. Et pour que les gens vous reconnaissent, mes disciples, ils doivent voir l'amour que vous avez les uns pour les autres. Voici l'image de Saint-Michel qui combattut le démon. Image traditionnelle et symbolique de sa mission de chef de la milice angélique dans le combat spirituel. Ce petit pamphlet vient des compagnons de Jésus et de Marie à Montréal. Numéro de téléphone 514-526-2270. C'était au 2399 rue Iberville, mais je ne suis pas certain si c'est là encore. Au moins, vous avez la prière. Donc, je vais vous laisser là-dessus et prions ensemble pour l'Église car elle passe des épreuves très dures pour certains qui font des scandales. Merci et union de prière. Au revoir et bonne journée.